cela vient d'Hérode. Que raconte-t-il? Oh, il l'a envoyé de Jérusalem. Lis-la moi. Ces lettres sont si amusantes. Mon cher vieil ami, j'ai entendu dire que tu aurais été amené à vivre dans trois pièces dans un des quartiers pauvres de la ville. Est-ce que c'est sérieux? Pourquoi ne m'as-tu pas envoyé un mot? Est-ce encore par fierté déplacée comme toujours? Eh bien, je viendrai bientôt te tirer les oreilles, mais en attendant ce beau jour, sachant que tu ne veux jamais accepter d'argent et étant le seul véritable ami que tu aies jamais eu, je t'envoie 6 juin un petit cadeau. Fais-en bon usage. Hérode. Qu'est-ce que c'est? Cela semble bien petit. Je ne sais pas. Il n'a pas fait preuve d'une grande générosité. Vénus! Oh, Claude, je crois que la chance va tourner. Oh, je suis sûre que c'est un présage. Ces dés sont truqués. Tu ne pourras pas les utiliser. Oh, c'est cher Hérode. Il me manque tellement. Maître! Maître, as-tu vu cela? Quoi donc? C'était cloué à la porte du temple de Castor. Qu'est-ce que c'est? Cela annonce un lieu de débauche dans le palais. Dans le palais de l'empereur. Comment? Dans le palais? Mais qui va-t-on y trouver? Oh, ses sœurs, ses cousines, les sénateurs et leurs femmes. Et parce que tu es au courant? Oui. Et alors? Mais pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Il veut que tu y sois? Il veut que je sois à la porte pour recevoir l'argent. Oh, Claude! Le monstre! L'horrible monstre! Contraindre la noblesse à la prostitution! Et dans le palais? Mais même Calpurnia n'accepterait pas de travailler là-bas, et pourtant c'est sa profession. Briseillis, ce n'est plus sa profession! Plus maintenant! Mon cher Claude, ce fut et c'est toujours ma profession. Je suis une prostituée et je n'ai jamais eu honte de le proclamer. De toute manière, je n'accepterai jamais. Je ne serai ni à la porte du palais, ni ailleurs. Un homme a sa dignité, on ne l'achète pas. On m'a prié de l'amener, mais elle est terrifiée. Je ne vois pas ce que tu peux faire. Je t'en supplie, Claude. Il n'y a pas 6 semaines qu'elle a accouché. Si quelqu'un la touche ce soir, je ne peux pas prévoir sa réaction. On ne tolère pas les exceptions. Mais il doit bien y avoir une pièce ou un endroit ici où personne ne la remarquera. Et quoi, tu veux peut-être qu'on nous tranche la gorge? Non, tu as payé ton droit d'entrée, entre. Va donc t'amuser. Allez, viens, ce n'est pas grave. Non! Tu veux que notre enfant n'ait pas de mère? Non! Viens! Oh, un autre client, n'est-ce pas? Nous commencions justement à manquer d'hommes. Le vrai mât, Sabinus, n'est-ce pas? Et je vois que tu as amené ta ravissante femme. Oh, ma chérie, tu vas te faire une fortune ici ce soir. Ça vaudrait mieux pour toi. L'empereur a encore augmenté sa commission. Alors, tu viens? Ah, mais voilà de la chair fraîche. Marcus Vinicius, le beau-frère de l'empereur, est ton premier client de la soirée. Mais je t'en prie, n'oublie pas de le faire payer très cher. Tu es une denrée rare. Alors viens, vous.
jette dehors. Mais tu n'as pas le droit. Je suis là pour ça et je sais ce que je fais. Mais pourquoi? Pour troubler l'ordre public. Mais c'est elle qui trouble l'ordre public. Pourquoi? Allons dehors. Reconduis-le à la porte du palais. Rentre chez toi, allons. Mais si l'empereur revient... Je lui dirai qu'il m'a fallu te renvoyer pour conduite indécente. Tu es un homme bon, Claude. Bon. Claude. Il faut absolument aider l'empereur. C'est ton époux, à toi de l'aider. Claude. Il est malade. Il a besoin d'un homme bon pour le seconder. Oh, il a assassiné tout le monde. Alors, qu'es-tu venu faire ici dans ton état? Il m'a demandé de venir. Il aime bien m'avoir auprès de lui. Il t'a de nouveau montré nu à sa... au garde-germain qui l'entoure. Oh, je te prie de m'excuser. Cézanne, c'est pas à moi de te critiquer. Je tremble comme les autres à la minute où il apparaît. Il n'y a plus de lion à la cour de l'empereur. Mais... son œuvre d'un geste gauche mais gracieux, tandis que son interminable rire secoue les cieux. Homère, il faut lire Homère, cher oncle Claude. Et puis, de son enclume jaillit la lame flamboyante. Alors, ses pauvres jambes tordues le portent lourdement. Remarquable, oncle Claude, tu deviens Vulcain. Et moi? Oui. Que puis-je être, si ce n'est Ulysse, rentrant dans son royaume et découvrant atterré la putréfaction qui règne sous son toit? Cassius, as-tu jamais vu de spectacle aussi dégradant? J'arrête tout le monde? Non, laisse-les s'avilir quelque temps encore. Je te promets que nous les plongerons à tout jamais dans les eaux du Tibre. Mais d'abord, Jupiter doit se purifier au combat. J'ai juré de livrer bataille aux Germains jusqu'à leur complète extermination et je rapporterai un butin colossal pour Rome. J'emplirai nos coffres, je gonflerai nos bourses. Cassius, réquisitionne les troupes. Augmente les impôts. Bientôt, je forgerai, dans le brasier des plus grands combats, une nouvelle âme pour Rome qui rayonnera jusqu'à l'infini des temps. Voilà. Oh, Claude! J'ai apporté un petit cadeau pour le bébé. Claude! C'est ravissant. Montre-lui. Comment va-t-elle? Oh, ma petite, viens voir. Ah. Elle est bien belle. C'est ton portrait, c'est étonnant. Hein? Alors, viens t'asseoir. Bon, comment va Calpurnia? Oh, elle va très bien, elle t'adresse tous ses compliments. Je pars rejoindre l'empereur en Germanie très bientôt. Je pourrai donc lui apprendre que vous vous portez toutes les deux à merveille. Pourquoi pars-tu pour la Germanie? Tu n'es pas au courant? Non, tu sais très bien qu'on ne me dit rien. Ah, eh bien, je ne sais pas si je dois tout te raconter. Enfin, je suppose que tu en entendras parler bien assez tôt. Voilà, il a informé le Sénat par lettre qu'il avait découvert une vaste conspiration des armées du Rhin destinée à l'éliminer. Si commandants de légion et Gétulicus ont déjà été exécutés. Bien d'autres exécutions auront lieu très bientôt. Crois-tu qu'il y a vraiment eu conspiration? Ah, qui sait, ça te surprendrait donc. Mais Gétulicus, non. C'était un vieil ami de mon père.
Le commandant des forces de mon frère. Un soldat d'une grande loyauté. Non, c'est pas possible. Alors pourquoi y vas-tu? Le Sénat m'envoie accompagné de deux anciens consuls pour le féliciter d'avoir su mater cette mutinerie. Je l'ai déjà dit. Les seuls lions qui restent à Rome sont dans le cirque. Il me faut vider l'appartement de Livia de tous les objets de valeur et je dois les lui envoyer par la route. Il a insisté, par la route. Apparemment, il s'est querellé avec Neptune et il redoute que ses bateaux soient coulés. Pourquoi les réclame-t-il? Il les vend aux enchères en province. D'ailleurs, il vend tout en ce moment. C'est découvert un don exceptionnel. Claude, dis-moi ce que je fais ici. Pourquoi a-t-il voulu que je devienne sa femme? J'ai près de 10 ans de plus que lui, je ne suis pas jolie. Je suis fille de gardien de nuit et j'avais épousé un boulanger. Comment a-t-il pu me remarquer? Peut-être parce que tu es la seule des membres de sa famille qu'il l'aime réellement. Tu as raison, je l'aime. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Je sais, on lui reproche tant d'atrocités. Claude, je le connais bien maintenant. Il a beaucoup plus peur que nous tous. Cassius! Je viens de parler à ce dieu de la rivière. Il a menacé de me noyer. Sait-il qui tu es? Ah, il le sait maintenant. Je l'ai réprimandé sévèrement et il s'est tu très vite. Enfin, le niveau de la rivière a baissé. Oui, César. Ton oncle est ici avec Marcus Vinicius et Astronas. Fais-les appeler. César. Oh, Dieu parmi les dieux. Le Sénat et le peuple de Rome. Où sont mes chariots? Chariots? Les chariots, imbéciles, avec mes objets de valeur. Oh, que les dieux bénissent ta majesté. Ils arrivent par la route. Il ne faudra que quelques jours. Nous voulions arriver plus tôt, mais nous sommes venus par mer. Eh bien, alors repars par la mer tout de suite. Jetez-le dans le fleuve! Oh, Dieu miséricordieux! Comment oses-tu te présenter sans mes chariots? Je dis que les chariots devaient venir par là. Allez, emmenez-le sur le pont et jetez-le dans le fleuve! Prosternez-vous en présence de Jupiter! Comment le Sénat a-t-il osé envoyer cet idiot pour me féliciter? Je leur ferai trancher la gorge. Il ne méritait pas une telle mission, ce n'est qu'un imbécile! J'ai sauvé Rome de la pire des conspirations et ils envoient cet attardé boitillant et bégayant pour me féliciter et me remercier. C'est donc ça, le respect qu'ils portent à l'empereur. Qu'est-ce qui se passe dans... Des complots partout, des conspirations partout. Je chargerai mes gardes germains de les éliminer dès mon retour. Je brûlerai ce repère de vieillard, il n'est d'aucune utilité. Oui, j'aurais dû le décider depuis bien longtemps et j'aurais dû lui trancher la gorge quand je suis devenu empereur. Il a un don presque magique pour tout faire échouer. Il n'a même pas pu commander les statues à temps. Dieu miséricordieux, nous sommes venus par mer pour te féliciter plus vite. Je voulais mes chariots, pas des félicitations! Hop, hop, hop! Debout! Je ne vous avais pas dit que je m'étais querellé avec Neptune? Il me harcèle sans cesse avec ses sirènes. Il déchaîne la fureur des dieux des rivières contre moi partout où je passe. Et vous osez voyager avec Neptune? Mais peut-être... Oui, peut-être que vous avez comploté avec lui. Non, Dieu miséricordieux. Oui, vous et cet imbécile qui est mon oncle, vous avez comploté pendant tout le trajet? Non, non, Seigneur, nous t'assurons... De quoi avez-vous donc parlé? Vous et Neptune, qu'avez-vous pu vous dire? Rien, nous te le jurons. De simples mortels ne peuvent parler aux dieux. Peut-être vous est-il apparu sous l'aspect d'un mortel, comme je le fais. À quoi ressemblait-il?
Mais nous ne l'avons jamais vu. Je t'en prie, il faut que tu me croies. Il n'aurait pas comploté avec nous. Tu as peut-être raison. Mais je vais vous tuer tout de même. À genoux! Tâchez sa porte, mon glaive. Oh, pitié! Au nom de ma femme, ta sœur. De quel droit cites-tu le nom de cette putain devant moi? Mais qu'avons-nous fait? Je montrerai au Sénat ce que je pense de leurs envoyés. Je vous renverrai hachés en morceaux. Je regrette d'avoir fait jeter mon oncle dans la rivière. J'aurais dû en faire autant pour lui. Peu importe, ils auront le message. Non! Où étais-tu passé, mon cher? Cher Vulcain. J'ai éprouvé la puissance des tempêtes qui déferlaient fiévreusement des hauteurs éthérées, à demi asphyxiées, roulant cul par-dessus tête, quand les Néréides sur les rives de Lemnos m'ont déposé. Par Lemnos traduit le Rhin. Oh, par Jupiter, ce qui revient à dire par moi-même, ce brave Claude connaît son Homère. Je t'en prie, Claude, implore l'empereur d'épargner nos vies. Garde le silence et obéis. Cher et tendre ami, car si Jupiter son bras étendait, je ne saurais que pleurer, car te défendre ne pourrait. Oui, écoute, si les deux vers qui suivent sont bons, ils seront sauvés, sinon je leur tranche la gorge. Mais je ne sais quel être hanté oserait intercéder pour vous, lever son bras contre Jupiter qui est tout. Par Jupiter, traduit que... Moi? Ah, l'érudition faite, Tom. Allons, debout, 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 vous êtes sauvé. Sauvé par l'intelligence de mon oncle. Allons, passons dans l'autre pièce que je te donne de quoi te changer. Hein? Cassius? Quel est le mot de passe pour cette nuit, César? Oh... Le mot de passe pour cette nuit, une minute. Tiens, que penses-tu de... Donne-moi tes lèvres. Ça aurait pu arriver maintenant. Ça aurait pu se passer demain. Ou dans deux jours, à toi ou à moi. Mais sans nul doute, ça arrivera un jour. Cela ne t'a pas étonné, le mot de passe que j'ai donné à Cassius Caera. Oh, j'ai cru que c'était de la plaisanterie. C'est bien ça. Mais c'est moi qui plaisante, pas lui. Je l'ai fait pour l'agacer. Chaque fois qu'il s'adressera au commandant des gardes, il devra dire « Donne-moi tes lèvres oh. ». Hier soir, je lui avais dit « Caresse-moi, jaloux ». Pourquoi, si tu me permets, t'amuses-tu à lui faire ça? Parce que c'est une poule mouillée. Cassius, je croyais que c'était le plus courageux soldat de notre armée. Oh, je l'ai cru, mais j'ai eu tort. Je lui ai fait torturer Gétulicus pour obtenir différents renseignements. Mais Gétulicus, enfin, il n'a pas parlé et il est mort pendant la torture. Et un des gardes m'a appris que Cassius avait pleuré. Bref, j'allais lui offrir le commandement de Marcos, mais il n'en est plus question maintenant. Combien d'heures arrives-tu à dormir? Combien? Huit ou 9 heures au moins. Moi, je ne dors pas plus de 3 heures. Pour un dieu, c'est très normal. Tu me crois dément? Moi? Oui.
Il m'arrive parfois de penser que je le deviens vraiment, et toi, il faut te montrer honnête avec moi. Cette pensée ne t'a jamais effleuré l'esprit? Jamais. Jamais. L'idée est complètement absurde. Tu es le modèle même de l'équilibre mental pour nous autres mortels. Mais alors, pourquoi tous ces grondements dans ma tête et pourquoi je ne dors pas plus de 3 heures? Bien, c'est ton enveloppe de mortel, sans doute. Tu vois, le corps humain est un fardeau pour celui qui n'est pas habitué. Et les dieux ne le sont pas. Et cela explique aussi, du moins, je crois, les 3 heures de sommeil. Les dieux, dans leur entité naturelle, ne dorment jamais. Oui, tu as probablement raison. Alors, si je suis un dieu, ce que je suis, évidemment, pourquoi n'y ai-je pas pensé? De toute manière, quelle qu'en soit la raison, il est bien difficile d'être un dieu. Or, tu dois savoir que je suis ce dieu tout-puissant dont la venue avait été prophétisée par les juifs depuis des siècles. Ah oui, oui, tu me l'as dit. Mais je me sens très privilégié d'avoir eu cette information. D'autant plus que les juifs, apparemment, ne sont pas au courant. Oui, mais il est prédit qu'il mourra jeune et détesté par son propre peuple. Non, je ne peux pas le croire. Non, pas détesté. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est pourtant vrai. Mon oncle, il faut que tu nous accompagnes dans notre expédition. Quand nous aurons vendu tous nos chariots. Une fois qu'ils seront arrivés. Et nous franchirons le Rhin, défront les Germains, et nous marcherons vers l'océan. Et je livrerai bataille à mon vieil ennemi, Neptune. Oh, quel triomphe je recevrai à mon retour à Rome. Tu peux te retirer maintenant, j'ai mal à la tête. Votre empereur est de nouveau parmi vous. Toutes ces guerres ont eu une conclusion heureuse et les troupes victorieuses sont entrées dans Rome. Il avait pensé dans sa divine innocence que les voies seraient envahies par des foules chaleureuses. Il avait pensé que les routes seraient parsemées de fleurs. Il avait pensé recevoir des messages de félicitations et de remerciements pour la gloire dont il auréolait Rome. Mais qu'a-t-il trouvé? Ce conquérant des Germains, ce vainqueur du tout-puissant Neptune? Des routes désertes sans fleurs ni couronnes, aucun triomphe exceptionnel, aucune fête particulière, aucune manifestation. Mais 3 misérables ex-consuls serviles plantés devant la grille pour le recevoir, une pièce bondée de sénateurs tremblotants et lâches qui se livraient à des jeux infâmes au soi-disant bain de vapeur pendant que lui passait 6 mois à vivre comme le plus pauvre des soldats. Oui, votre empereur est de retour, mais pour vous trancher la gorge. Par Jupiter, tu n'as demandé aucun triomphe. Mais bien entendu que je n'en ai pas demandé. Je ne vais pas demander un triomphe pour moi-même. Mais tu nous as demandé de ne pas en demander. Oui, vous m'avez suivi mot pour mot, n'est-ce pas? C'est typique. Il ne vous est pas venu à l'esprit que je me reposais un peu sur vous, que je laissais votre amour pour moi se donner libre cours. Il ne vous est pas venu à l'esprit que mon humilité naturelle m'avait dicté ces paroles. J'ai donné l'ordre de ne pas fêter mon retour. Mais vous avez donné l'ordre de fêter l'anniversaire d'Axiom, n'est-ce pas? Vous n'avez pas oublié de fêter la défaite de mon arrière-grand-père, Marc-Antoine! Combien de bouteilles de vin avez-vous débouché en l'honneur de son meurtre pendant mon combat contre les océans? Qu'on leur montre le butin! Qu'on leur montre les merveilles que j'ai arrachées à ce vieux Neptune.
merveilles des océans. Le trésor de ce pauvre Neptune. Il ne reviendra pas me narguer de si tôt. Jupiter, pendant ton absence, nous t'avons fait élever un temple sur le mont Palatin. Cela ne vous sauvera pas! Allons à genoux tout de suite! Baissez la tête! Je vais vous trancher la tête! Dieu miséricordieux! Vas-tu assombrir le grand jour de ton retour par le sang de ces misérables? Quand viendra le moment d'écrire le récit de ce jour mémorable, devra-t-on le souiller avec le souvenir de la mort de ces vieux fous? Claude a raison, monseigneur et maître. Mon mari, pense à notre fille. Un jour, quand elle sera plus âgée, elle lira le récit de ton retour. Pourquoi ces vieillards séniles devraient-ils être cités dans une page aussi glorieuse? Ah, tes paroles ont apaisé mon courroux. Et nous savons que les prières touchent parfois les dieux. Vous pouvez aller. J'irai inspecter le temple dans la matinée. Comme tu as eu raison, Jupiter, de vouloir les punir pour avoir fêté la bataille d'Axium. Mon cher Marcus, je les punissais de toute manière, parce que s'ils n'avaient rien fait, ils insultaient le dieu Auguste, mon grand-père qui avait remporté cette bataille. Avec Agrippa qui y a participé, qui se trouve être ton autre grand-père. Marcus Vinicius, dorénavant, tu n'es plus mon ami. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu lui as bêtement rappelé qu'Agrippa était aussi son grand-père. Mais Agrippa était un grand homme. Oui, mais il était d'origine modeste. Les petites gens ne procréent pas des dieux, Marcus. Certainement pas un dieu capable de défaire Neptune. Quand on n'est plus son ami, que peut-on être si ce n'est son ennemi? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Si tu ne demandes pas maintenant, il sera bientôt trop tard pour tout le monde. Oui, j'arrive. Une minute, j'arrive. Oh, on n'ouvre pas, Claude. Les dieux savent qui ça peut être. Qui est là? Que voulez-vous? On te demande au palais. C'est toi, Cassius? Oui, dépêche-toi. Mais que se passe-t-il? J'ai reçu l'ordre de venir te chercher et de passer prendre Marcus Vinicius et Aspronas. Inutile de t'habiller, prends juste un manteau. Depuis combien de temps attendons-nous? Cela fait bien 2 heures. Il doit faire jour maintenant. Et à ton avis, que va-t-il faire de nous? Aucune idée. Mais j'espère que cela ira très vite, c'est tout. Claude, je regrette de m'être parfois moqué de toi. Non, ça n'a plus d'importance. Tu veux bien me donner la main? Merci, ça me donnera un peu de courage. Et maintenant, accompagné par un esclave de Bretagne chantant dans sa langue natale, le grand Jupiter dans son infinie beauté et sa grâce divine. Domain.
And then she flits across the sky from star to star about. She lightens darkness where she flies and blows night's candles out. Raging on her heels, night treads and tries to hold her fast and bring her loveliness to bed and ravish her at last. And every night he once contrives to win a single kiss, win a single kiss. Before the morning sun, the night would knock him out his bliss. And now she turns and lightly treads on pillows everywhere. She must awaken from their beds the secret lovers there. But loath to part, they linger. Une danse qui m'est apportée pareille émotion esthétique. Ah, tu as aimé? J'en reste confondu, Jupiter. Oh, ce n'était qu'une répétition. Oh, j'entrevois déjà la beauté du spectacle que tu nous présenteras. Debout. Allons. Entre nous, que penses-tu de la fille? Elle est magnifique. Oh, mon oncle, à ton âge. Ramenez la fille. J'ai prévu votre mariage pour demain. Mon mariage? Oui, j'ai trouvé ça très drôle, ce charme et ce ravissement, accouplé à un repoussoir boitillant comme toi. Non, sincèrement, est-ce que tu sais ce que tu vas en faire? Messaline, approche. Je vais te faire épouser mon cher oncle Claude. Et vous pourrez vivre tous les deux au palais. Merci, César. Bon, je vais veiller aux affaires de l'État. Oh, Cassius. Ah oui. Le mot de passe pour ce soir. Pince-moi fort. Je suis désolé. Tu ne veux pas te marier avec moi? Mais c'est que moi, je suis bien plus âgé que toi. Moi, je serais heureuse de me marier avec toi. Pour être sincère, j'avais terriblement peur quand il m'a fait venir. Je croyais qu'il allait... Je me sentirais en sécurité si je me mariais avec toi. Crois-tu qu'un jour tu pourras m'aimer? Si je crois que... Oh, mais... Je t'aime déjà comme un fou.
Bien. Si je dois me marier demain, il faut que je rentre me préparer. À demain, Claude. Demain. Tibère, Claude, Drusus, Néron, Germanicus, sa famille et ses amis. Bienvenue, Tibère, Claude, Drusus, Néron, Germanicus. À toi, à ta famille et à tes amis. Je te remercie, Valérie Messaline, pour ma famille et mes amis. Et je te remercie pour moi aussi. Le noble sénateur Incitatus. Tu connais tout le monde, n'est-ce pas? Bien, et trouve-toi une place. Il n'avait encore jamais assisté à un mariage. Il découvre la vie depuis le jour où je l'ai fait membre du Sénat. Bien, que la cérémonie commence. Tuons-le. Nous avons assez reculé. Il faut le tuer. C'est risqué. On ne tue pas un homme sans courir de risque. Oui, mais c'est Germain qui ne le quitte jamais. Il y a toujours un moyen. Mais es-tu avec nous? Ou vas-tu attendre qu'il t'offre un beau fruit empoisonné ou qu'il te tranche la gorge? Pour toi, c'est facile, tu es un soldat. Oui. Je me chargerai de le tuer si tu as peur. Mais voulez-vous m'aider? Il a raison, Marcus. Plus nous reculerons, et moins nous aurons de chances de survivre. Entendu. Mais comment feras-tu? Demain, les jeux en son honneur doivent se terminer. Je pourrai agir. Où ça? Il y a une allée recouverte à l'arrière de la loge impériale. Tu devras le convaincre de passer par là pour sortir. Comment? Trouve une raison. Dis-lui qu'il y a foule devant l'entrée principale et que cela le retarderait pour son dîner. Il aura ses germains pour le protéger. Je sais. C'est là que vous interviendrez. Ah non! Je n'ai plus la moindre pièce. Je ne peux plus jouer. Une seconde, Jupiter. Veux-tu que je t'en prête? Quoi? Tu sais que je déteste rembourser mes dettes. Oh, mais tiens, prends la moitié de... Ah. Oh, expliquez-moi pourquoi je suis si malchanceux. Cela pourrait venir des dés avec lesquels tu me fais jouer. Mes dés? Mais pourquoi mes dés ne seraient-ils pas comme les autres? Oh, un dé est très personnel. Du moins, un dé porte chance à son propriétaire, mais pas obligatoirement à un ami. Tiens, Seigneur, utilise ceux-ci. Ils m'ont été offerts par Hérode. Il affirme qu'ils ont appartenu à Alexandre le Grand. Non, c'est vrai. J'ignorais qu'Alexandre aimait jouer au dé. Oh, je crois pour ma part que vous savez beaucoup de points comme. Ah, que se passe-t-il? Oh, il a vaincu le Thrace. La foule veut l'épargner. Ils ont tous levé le pouce. Le Thrace? J'ai envie de descendre dans l'arène, lui trancher la gorge. J'ai jamais aimé ce Thrace. Il m'a fait perdre des fortes sommes l'an dernier.
Alors, Alexandre le Grand, nous allons voir ça. Par Jupiter, ce qui revient toujours à dire par moi-même, c'est très prometteur. Eh bien, dépêchons-nous, tout le monde paye. Effectivement, j'ai une dette envers toi, mon oncle, tu m'as porté chance. Je pense que certains dés doivent être réservés aux dieux. Nous pourrions peut-être manger. César aurait-il faim? Non. Je crois avoir compris. Ces dés devaient me revenir. Eh bien, dépêchons, il faut payer. Tu m'as mis à mal avec ces dés, Marcus. Je demande que les mises soient de 500. Je n'ai plus de pièces, César. Ah, quelle importance. Ta nouvelle femme est très riche. J'accepte les reconnaissances. Allez, payez, mes amis. J'ai posté des gardes aux deux portes. Je leur ai bien demandé de ne laisser passer personne. Ils vont bientôt sortir. J'ai fait remplacer les prétoriens. Ils sont au jeu en ce moment. Ce sera toi qui porteras le premier coup. Jupiter lui-même ne pourrait m'en empêcher. Je vois que vous ne tenez plus beaucoup à jouer. En fait, vous n'aimez jouer que si vous gagnez. Si nous regardions les jeux pour vous remettre... Nous pourrions nous baigner puis manger quelque chose. Non, je ne crois pas, je n'ai pas très faim aujourd'hui, mais j'ai passé une journée merveilleuse, mon oncle, grâce à toi. Si tu as le moindre souhait, je l'exaucerai. Oh, César, je t'en prie, considère que c'est un petit geste pour le grand bonheur que tu m'as apporté en me donnant ma nouvelle femme. Un grand bonheur? Elle ne devait pas t'apporter le bonheur, au contraire, c'était une plaisanterie, rien d'autre. Non, César, tu m'as sans doute mal compris. Je suis si maladroit pour m'exprimer. Non, ce que je voulais dire, mon bonheur se sublime en contemplant le tien. Savoir que je suis la raison de pareil plaisir de vivre et la source de la profonde satisfaction. Où vas-tu, Marcus? Pour ne rien te cacher, un appel de la nature. Peut-être quelque chose que j'ai avalé hier soir. Mais ne me regarde pas, si j'avais voulu te soigner, tu n'aurais pas attendu le matin pour le découvrir. C'est bizarre. Il avait envie de manger il y a une seconde. Son comportement est bien étrange depuis quelque temps. Étrange? Oui, nerveux. Comment peut-il être nerveux comme ça? Mais nous sommes tous nerveux en ta présence, César. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi. Ah, excuse-moi. Merci. Il ne veut rien manger. Il faut tout remettre, ça ne marchera pas. Alors j'entre et je vais le tuer sur son siège. On te tranchera la gorge. De toute manière, c'est ce qui m'attend. Mais je vous appellerai à mon aide si cela était nécessaire. Non, attends. Je veux lui annoncer que son balai grec est arrivé. Il acceptera de l'accueillir. Dis ce que tu veux, mais fais-le venir par ici. César, Cassius vient de m'informer que ton balai grec est arrivé. Mon balai, mais où sont-ils? Ils attendent d'être reçus. Fais-les venir et présente-les-moi. Les hommes seulement, fais attendre les filles. César, ils disent avoir préparé une danse en ton honneur. Ils veulent te la présenter là, dehors. Oh, bien, dans ce cas, nous ne devons pas les décevoir. Allons voir ce qu'ils nous ont préparé. Ils t'attendent derrière. Devant, il y a beaucoup trop de monde. Ah! Bien. S'ils ont la qualité qu'on leur prête en Grèce... Je leur permettrai peut-être de danser avec moi. Que se passe-t-il? Le mot de passe bouché, c'est liberté. Oh non! Achève-le!
aux femmes, Jupiter. Disparaissez avant l'arrivée des Germains. Ne prenez rien qui appartienne aux Germains. Regardez. En voilà un. Oui, c'est un des assassins. Non, ne me tuez pas. Pitié. Je n'ai rien fait. Pourceau. Tu as tué notre empereur bien-aimé. Tu nous fais perdre notre travail. Non, Gratus, ce n'est pas un assassin. C'est l'oncle de votre empereur, le frère aîné de Germanicus. Il est inoffensif. Il n'est pas très bien. Debout, ne t'inquiète pas, on ne te fera pas de mal. Merci beaucoup. En fait, les hommes sont plutôt foudrages. Sans un empereur, la garde prétorienne a vécu. Et nous allons nous retrouver légionnaires. Il faut que j'aille protéger ma femme. Mais bien sûr, Gratus, prends deux hommes et accompagne-les. Pourquoi ne pourrait-on pas l'avoir pour empereur? Quoi? Le vieux Claude ne dit pas de bêtises, il est simple, il est... Mais à la réflexion... C'est mieux que rien, non? Non, je ne veux pas devenir empereur. Tu es membre de la famille impériale, alors ne plaisantons pas. Soldats, nous avons notre empereur. Fais partie du complot. Tuez-le. Non, une minute. Une minute, Hermann. C'est notre nouvel empereur. Tu entends? Notre empereur. Ah. Oui. Portez-le en triomphe. Longue vie à l'empereur Claude. Non, posez-moi. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. C'est une vie qui n'est pas si désagréable. Bien, prends cette couronne. Déposez-moi tout de suite, je ne veux pas être empereur. Je veux la république. Ah, il faut mieux éviter de dire ça. Surtout en présence des Germains, ils te trancheraient la gorge. Allons, souris, empereur. Dépêche-toi. Souris. Allons, dépêche-toi. Longue vie à l'empereur. Longue vie à l'empereur.